Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour réaliser la Garther Chevron Blanquette. Donc, c'est une couverture au point mousse qui forme des chevrons. Voilà. Donc, moi j'ai adoré l'utiliser depuis la naissance de Malo pour absolument tout, que ce soit dans la coque, pour balader en poussette ou pour l'emmailloter en maternité pendant tout le premier mois. Donc je l'ai réalisé dans une laine différente du patron, je l'ai réalisé en base DK. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo juste maintenant. J'espère que vous allez aimer, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos et à me suivre sur Instagram. C'est parti Pour réaliser la Garter Chevron Blanquette, il faut d'abord télécharger le patron qu'on peut retrouver directement sur Ravelry en tapant Mina Philippe dans euh, la recherche de personnes ou encore en tapant Garter Chevron Blanquette dans la partie recherche de patron. C'est un patron gratuit donc, qui se présente en quatre pages. Une première partie où elle nous explique... Euh, quand, comment elle a euh, designé euh, ce, ce patron de petite couverture. Une seconde page où elle explique ce dont on aura besoin. Il faut savoir que je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire, mais une version un peu adaptée, puisqu'elle elle la propose en laine worsted, donc tricotée en 6 mm avec des dimensions euh, donc spécifiques, c'est-à-dire... Euh, qu'elle va être plus grande, sa couverture elle va faire 60 cm par 95, et moi je vais vous montrer une version en DK en aiguille 4 mm et la couverture elle va faire approximativement 44 cm par 75 cm. Elle explique un peu les abréviations, on verra ça un peu par la suite. Donc là une petite couverture euh, sympa, on voit à peu près la taille par rapport à un bébé, c'est sa petite fille d'ailleurs. Euh, ici elle nous explique euh, comment adapter la taille et en page 4 donc la dernière page on a le patron comment le réaliser donc personnellement j'aime bien plastifier mes modèles parce que je les réalise souvent plus d'une fois comme ça ça me permet avec des crayons euh, effaçables de pouvoir écrire dessus en fait tout simplement et de l'effacer à l'eau pour le réaliser une fois de plus. Donc, pour réaliser cette couverture, on aura besoin de cinq couleurs différentes. J'ai choisi de la laine de chez Teinture à laine, donc qui est une teinturière dans les Hauts-de-France. Donc son petit slogan, c'est la laine qui a du chien. C'est la base DK, DK 115, et euh, pour 115 grammes, on a à peu près 230 mètres. Voilà. Donc ici euh, j'ai euh, des demi-échevaux. Voilà. Donc ici j'ai choisi le coloris girafe. Le coloris Ara de Spix. Je les place les uns à côté des autres pour qu'on voit un petit peu. Le coloris caméléon, qui est plus foncé. Le coloris koala, donc qui est un peu nuancé dans les gris, crème. Voilà et le coloris bourdon. Donc là j'ai un peu plus de 50 grammes par écheveau. En plus du fil, on aura besoin donc d'un ciseau pour pouvoir couper si les fils de laine sont trop longs, une aiguille à laine pour rentrer les fils à la fin, un mètre, un mètre mesureur. Donc moi je le fais en centimètres. Personnellement, dans le patron, on utilisera, enfin dans cette vidéo, on va utiliser les centimètres. Et une paire d'aiguilles, donc on va utiliser des 4 mm. Alors, c'est écrit quelque part sur l'aiguille. C'est parti pour le début. Donc on va pouvoir commencer en prenant la première page de son design. Donc elle nous explique que c'est un patron assez simple mais très efficace qu'elle a euh, tricoté quand elle était euh, enceinte de son premier bébé. De sa petite fille. Elle lui a pris à peu près une semaine euh, à tricoter. Et elle en a tricoté une seconde pour le bébé de sa belle-sœur. Pour lesquels elle avait choisi des couleurs plutôt de Noël. Et celle-ci, c'était pour sa fille. Donc euh, on va pouvoir. Tourner, puisque globalement c'est un peu l'historique de quand est-ce qu'elle a designé et dans quelles conditions. Donc, moi je vous ai dit qu'on allait l'adapter. Donc, par rapport à ce qu'elle nous demande en laine, yarn, en aiguille et euh, en échantillon, on ne va pas en tenir compte. Pour la version en base DK, donc ici la DK. C'est euh, pour 230 mètres, on a à peu près 115 grammes ou 105, 250 mètres, 100 grammes. Enfin, on reste sur de la DK. On aura besoin de 5 fois 50 grammes. Donc moi, j'ai choisi 5 couleurs différentes que je vous ai présentées juste avant. On va utiliser des 4 mm. Le, la longueur du câble c'est vraiment euh, comme vous avez de dispo comme vous préférez puisque les, les 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 mailles elles vont se resserrer plus ou moins et en fait chaque bande on va tricoter à peu près 15 cm de couleur pour obtenir une couverture de 44 cm sur 75, c'est une taille que j'apprécie tout particulièrement quand je l'utilise avec mon fils. je l'emmaillotais à la maternité avec. et aujourd'hui alors qu'il a encore deux mois, je l'utilise partout dans sa poussette, dans sa coque, à la maison, je l'emmaillote le, encore dedans, enfin je trouve que c'est vraiment une taille idéale. Donc elle nous explique la taille de sa couverture une fois qu'elle est finie. Si vous utilisez en fait de la laine, de taille worsted globalement en fait c'est ce qu'elle nous propose 210 110 mètres pour 100 grammes moi j'appelle ça de la DK elle appelle ça de la worsted c'est tout bon moi je vous propose de la tricoter en 4 mm on aura besoin euh, donc de marqueurs pour savoir à peu près tous les combien on va répéter le patron elle utilisait des des marqueurs de couleurs différents pour les augmentations et les diminutions, comme ça elle sait se souvenir quand est-ce qu'il fallait faire une augmentation, une diminution. Et elle nous explique que l'échantillon n'est pas forcément euh, important du moment que on, on aime ce que ça rend en fait, en fin de compte. La taille à la fin. Les abréviations donc CO pour caston donc montage, bind off pour rabattage, STS pour stitches pour maille, K2tog pour tricoter deux ensemble, K2tog de BL donc c'est tricoter deux ensemble en envers, KFB c'est knit front and back, c'est tricoter le brin avant et arrière de la même maille donc c'est une augmentation. Slide, euh, slip one stitch with the yarn in the front, ça, ça va être glissé avec la, la laine devant. K, c'est tricoter en endroit. Place marker, placer le marqueur. Et slide marker, split marker, pardon, c'est glisser le marqueur. Donc ça, c'est pour la page 2, c'est une page d'explication. La page 3. Elle nous explique un petit peu comment on fait si on veut agrandir ou diminuer notre couverture en fonction de la taille des chevrons. Globalement, euh, on, on verra que c'est une répétition en fait d'augmentation et de diminution. Ce qu'elle nous propose, c'est de faire un espacement plus ou moins grand entre les chevrons ici. Donc, elle nous dit qu'il faut augmenter, tricoter 10 dans le patron. Eh ben, on peut changer le tricoté 10, on peut tricoter 12, tricoter 20 et on va euh, décaler la largeur de notre chevron. Voilà pour la page 3. Et donc en page 4, on a les explications. Donc je le balaye avant de le commencer, c'est toujours important de lire le patron avant de commencer. On va nous demander de monter 132 mailles de tricoter en endroit jusqu'à la dernière maille en glissant la dernière maille avec la laine devant. Donc ça, c'est une maille lisière en fait. Et ensuite, on va commencer directement les chevrons. Puis, on va recommencer un rang de tricot en endroit, glisser les marqueurs avec notre maille lisière à la fin. Ça, c'est le montage. OK. Ici, on a deux rangs qu'on va apparemment répéter pour pouvoir réaliser nos chevrons. Donc, c'est ça qu'on va, qu va répéter. Donc, on va le voir en le faisant. Donc, on a une partie de répétition et une, une, une dernière partie ici où on finit et on rabat. OK. Et à la fin, elle nous propose de bloquer le patron et euh, d'apprécier notre nouvelle couverture. Donc, c'est parti. On va commencer. En page 4 alors je vous propose cette alternance de couleurs en commençant par le coloris bourdon on va enchaîner ensuite sur le coloris caméléon après quoi j'utiliserai le coloris girafe puis ara de spix et je vais finir sur le coloris koala c'est parti alors moi je préfère en général commencer mes pelotes par l'intérieur quand je suis sur une table comme ça ça permet d'avoir la pelote qui reste fixe et qui ne roule pas tout le temps et donc on va commencer par la première ligne c'est à dire le montage. Donc on va monter nos 132 mailles. La méthode que j'utilise, c'est la suivante. Donc je place ma pelote sur ma gauche. Je passe mon fil ici sur ma main gauche que j'ai placée en L. Je viens faire le tour de mon index en passant par le dessous. Je fais le tour de mon pouce en passant par le dessous. Et donc le fil qu'il me reste, je viens le bloquer ici entre mes deux doigts. Ça forme comme un N. Et donc, je vais me servir de ce N pour pouvoir monter mes mailles. Avec mon aiguille, donc dans la main droite, je vais venir attraper le fil du milieu du N par le dessous. Je vais le rattraper ici par euh, donc par le pouce et je vais attraper l'autre milieu du N ici avec mon aiguille que je souhaite rentrer dans la boucle qui s'est formée dans le pouce. Donc je reviens dans mon pouce. Ici, je l'ai formé ma maille. Donc je vais lâcher avec mon pouce. Maintenant, si je tire n'importe comment ici, ça risque de ne pas faire une belle maille. Donc je viens glisser le pouce de ma main droite contre ma, mon aiguille. Et je viens tirer sur les deux fils en même temps. J'ai créé ma première maille. Donc j'ai toujours mon fil qui est enroulé autour de mon doigt. Ça peut être tombé, c'est pas grave. On revient placer notre main en L et on repasse notre fil enroulé par-dessous, enroulé par-dessous le pouce et on revient ici à notre N de départ. Donc on recommence, j'attrape par-dessous le pouce, par-dessus le N, je rentre dans la boucle du pouce. Donc ici j'en profite pour me rapprocher de ma maille précédente. Avec mon pouce de la main droite, je viens me caler contre mon aiguille. Et je tire sur le seul fil que j'ai dans la main. Voilà. Et donc, on va répéter ça jusqu'à obtenir nos 132 mailles. 131 et 132. Donc là, on a réalisé le montage de nos 132 mailles. Donc ça va être la largeur de notre couverture. On n'hésite pas à reprendre les explications pour savoir quelle sera la prochaine étape. Et donc on nous indique qu'il faut tricoter en endroit jusqu'à la dernière maille. Donc on s'arrête avant la dernière maille et il faudra la glisser avec la laine devant. Donc c'est parti, on réalise le rang 2. Donc à partir de là, j'aime tricoter avec ma pelote sur la droite. Et donc c'est parti, on va réaliser tout un rang en endroit. Donc c'est le principe du point mousse. On aura besoin euh, uniquement de réaliser des points endroit. Donc pour ça, on pique dans la maille ici, dans la boucle par dessous de l'aiguille de gauche avec notre fil dans la main droite. On vient faire une boucle en passant par le dessous. Et l'objectif, c'est de passer ce brin de laine dans la maille qu'on vient de piquer. Donc, on vient la serrer contre. Et on va passer notre aiguille pour la passer comme ça dans la maille. En fait, on la retient. Vous voyez, on la, elle est passée par dessous. Et donc, on va réaliser ça jusqu'à ce qu'il nous reste une seule maille sur le rang. Donc, on pique par dessous. On passe notre brin de laine et on vient le passer à l'intérieur de la maille. Et donc on fait ça pour 131 mailles sur 32. Alors, on va bien s'arrêter avant la dernière maille. Voilà, il nous en reste une seule sur l'aiguille de gauche. On s'arrête là. Et là, on nous demande de faire un slide 1, yarn in front. Donc, on met la laine devant nos aiguilles. Et on glisse. Voilà, on passe in front et on glisse la maille on fait attention à ne pas faire ce que je viens de faire c'est à casser la maille et à piquer dans le brin on pique bien dans le trou de la maille voilà donc là on a réalisé notre second rang donc on va regarder la suite du patron pour pouvoir placer nos marqueurs dans la suite du patron on nous dit tricoter 1 ok donc là on va vraiment le faire étape par étape avec le troisième tiret des explications. Donc c'est parti. On fait d'abord un K1, donc une maille endroit. Ensuite on nous demande de placer un marqueur. Donc moi j'ai pris deux coloris de marqueurs, des marqueurs bleus. Et des marqueurs verts. Donc, je prends un marqueur vert, je le place sur mon aiguille de droite. Je tricote la seconde maille en KFB. Donc, je tricote d'abord le brin comme si c'était un endroit. Je lâche pas la maille de l'aiguille de gauche et je viens piquer dans le brin arrière ici pour tricoter le brin arrière. Donc, j'ai tricoté ma maille deux fois. Ensuite, on me demande de faire un K10. Donc, je vais tricoter 10 mailles en point endroit: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on nous demande de faire un cas de Tog BL. Donc, c'est tricoter deux mailles ensemble par le brin arrière, ici. Donc, au lieu de piquer comme si j'étais en endroit, je viens piquer derrière, dans les deux mailles en même temps, et je tricote normalement. Maintenant, on nous dit de placer un marqueur. Donc, je vais placer... Un marqueur bleu. Je vais alterner les couleurs de mes marqueurs en fait. Et donc ici on me demande de faire un cas de tog, c'est tricoter deux mailles ensemble en endroit. Donc je viens piquer ici dans ma maille et je tricote mes deux mailles ensemble au point endroit. Et encore une fois, je viens tricoter cas 10 donc 10 mailles en point endroit. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On me demande de refaire un KFB. Donc dans la prochaine maille, je pique, je tricote l'endroit et je la lâche pas. Je viens tricoter le brin arrière. Nickel. Ensuite, donc, je vois qu'il y a une petite étoile et c'est écrit répéter de A, donc ce qu'il y a entre les étoiles, donc ce qu'on vient de faire là, 4 fois de plus. Très bien. Donc je reprends au début, juste après la petite étoile, et on me demande de placer un marqueur. Donc comme le premier marqueur que j'avais placé, c'était un marqueur vert, et eh bien je viens placer un marqueur vert et je vais répéter ce qu'on vient de faire. 4 fois. Donc je place mon marqueur. Je tricote la maille qui suit en KFB par le brin avant et par le brin arrière. Ensuite je fais un K10. Je viens de tricoter 10 mailles en endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On me demande un cas de tog BL tricoté deux endroits par le back loop. Donc je viens piquer derrière et je les tricote ensemble. On me demande de placer un marqueur, donc le second marqueur que j'ai c'est le bleu. On me demande un cas de tog, donc c'est tricoter en endroit deux ensemble. Donc je pique dans deux mailles au lieu d'une, je les tricote ensemble. Puis K10. 10 mailles en endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis KFB. Donc c'est une augmentation en tricotant la maille par le brin avant et par le brin arrière. Donc là, j'ai répété une fois de plus sur les quatre fois de plus qu'il faut faire. Je recommence, placer le marqueur. Je remets un marqueur vert pour mon premier marqueur. Je fais un KFB, donc je tricote le front et le back C'est une augmentation. Je fais un K10. Donc c'est 10 endroits. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais un cas de tog BL. Donc c'est un cas de tog tricoté deux ensemble BL back loop, par le brin arrière. Je fais un placé marqueur. Donc c'est le deuxième marqueur, donc c'est le bleu. Je réalise un K2 Tog. Sans perdre mon marqueur, ça peut être pas mal. Donc je reviens sur mon K2 Tog. Je viens tricoter mes deux mailles qui suivent ensemble. Je refais un K10. Donc je tricote 10 en endroit. 1, 2, 3, 4. 5 5, on compte bien 6 7 8 9 10 K, front and back par le bras avant puis par le bras arrière je viens donc faire ma troisième répétition sur 4. donc je replace un marqueur de début vert. Je tricote ma maille en KfB par le brin avant, puis par le brin arrière. Je repars pour tricoter 10 en endroits: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 et 10 je fais deux ensemble par le brin arrière puis je place mon deuxième marqueur de rang le bleu je tricote deux mailles ensemble en cas de tog puis je retricote un K10, donc 10 mailles au point endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis je retricote un KFB, je tricote le brin avant, puis le brin arrière. Je viens réaliser ma quatrième répétition de plus sur 4. Donc je place mon premier marqueur de rang le vert. Je refais un KFB. Donc je tricote normalement, je ne lâche pas et je reviens tricoter le brin arrière. Je tricote 10 mailles en endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10 je fais un cas de tog BL donc tricoter deux ensembles par le brin arrière je viens placer mon second marqueur mon marqueur bleu je viens maintenant tricoter un cas de tog donc c'est tricoter deux ensemble en endroit, je retricote un K10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et il me reste le KFB. Je tricote ma maille. Je ne la lâche pas. Et je viens tricoter le brin arrière. Donc là, j'ai fait mes quatre répétitions de plus qu'on me demande. On me demande à présent de replacer un marqueur. Donc comme j'ai fini avec un marqueur bleu, je remets un marqueur vert. Voilà. Et on me demande de glisser la dernière maille avec la laine devant. Donc je passe la laine devant mes aiguilles, puis je glisse. Donc là, j'ai réalisé le troisième tiret du setup donc du montage du rang de mise en place donc je viens de réaliser maintenant le quatrième tiré où on me demande de tricoter jusqu'au dernier donc jusqu'à la dernière maille en glissant tous les marqueurs que l'on rencontre à la dernière maille on la glisse avec la laine devant donc ça ressemble trait pour trait au premier rang qu'on a réalisé c'est-à-dire qu'on va tout réaliser en point endroit pour réaliser du point mousse. Et à chaque fois qu'on va croiser un marqueur, on va le glisser. Donc je fais du point mousse, je suis déjà mon premier marqueur. Je le passe sur l'aiguille de droite, puis je continue à faire du point endroit. Et donc comme on tricote en aller-retour, non pas en rond, quand on tricote uniquement au point endroit, en aller-retour, c'est comme ça qu'on crée du point mousse du euh, garter. Il me semble que c'est ça en anglais. Donc c'est parti, on s'arrête devant la dernière maille du rang. lorsqu'on arrive donc à la dernière maille, on n'oublie pas de s'arrêter, de passer notre laine, notre fil de laine devant notre aiguille de droite et de venir glisser la dernière maille. Voilà un peu à quoi ressemble notre ouvrage pour le moment. Donc on a terminé toute la partie setup du patron, on va pouvoir attaquer la partie garter chevron pattern. Donc on va réaliser à partir de ce moment de la vidéo. Donc, je vais euh, vous mettre le timing à laquelle commence ce rang euh, dans la description. Comme ça, si vous voulez le rejouer plusieurs fois, puisque c'est vraiment la répétition de ces deux rangs qu'on va faire pendant tout le, toute la couverture. Donc, je vais vous marquer euh, vraiment euh, le délai pour le rang 1, et je vous marquerai en barre de description euh, le délai pour le rang 2. Donc là, c'est parti pour le rang 1. Donc, on reprend nos aiguilles dans les bonnes mains. Et c'est parti. Donc on commence par tricoter une maille en endroit. On nous demande ici de glisser notre marqueur et de réaliser un KFB. Donc on va tricoter par le front, devant et par le back l'arrière. Donc on a réalisé une augmentation. Maintenant, on va faire un K10, tricoter 10 endroits. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. On réalise à présent un K2tog back loop. On vient piquer par le brin arrière des deux mailles qui suivent et on les tricote. On arrive à présent à notre marqueur bleu, le marqueur bleu donc qui marque la diminution. On le glisse et on tricote les deux mailles qui suivent ensemble, k2tog. Puis je tricote un k10, donc 10 endroits. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je m'arrête ici, il m'en reste une. C'est le marqueur vert, c'est une augmentation. Je tricote par le brin avant, c'est un KFB, par le front et par le back, l'arrière. On me demande donc de répéter ce que je viens de réaliser depuis le début, quatre fois de plus. Donc globalement, à chaque fois qu'on va arriver sur un marqueur vert, on va faire une augmentation. Et à chaque fois qu'on va arriver sur un marqueur bleu, ça va être une diminution. Donc je répète les deux rangs qu'on vient de réaliser. Je glisse mon marqueur, puis je tricote par le brin avant, front et par le brin arrière, back. Je tricote 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tricote 2 ensemble par le brin arrière. C'est un cas de Tog BL, back loop. Donc je tricote. Je glisse mon marqueur bleu, donc diminution. Puis je réalise un K2-Tog, de deux ensemble. Puis je retricote un K10. Donc endroit pour 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis je réalise un KFB. Je tricote par le brin avant, puis par le brin. Arrière. Et on recommence comme ça jusqu'à ce qu'on arrive en fait à la fin, jusqu'au dernier marqueur en fait. Donc je glisse mon marqueur vert d'augmentation, je fais un KFB, je tricote le brin avant, le brin arrière, puis je fais un K10, tricoter 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je réalise un cas de Tog BL. Je tricote deux ensembles par le brin arrière. Je glisse le marqueur, puis je fais un cas de Tog. Je tricote deux ensembles en endroit. Je réalise un K10, je tricote 10 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je tricote un KFB, donc je tricote par le front, par le brin avant et par le back, le brin arrière. Donc là j'ai fait mon augmentation. On recommence je glisse mon marqueur je tricote un kfb par le brin avant et par le brin arrière j'enchaîne sur un k10 tricoter 10 endroits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 puis j'enchaîne sur un K2 tog BL tricoté deux ensemble par le brin arrière. Je glisse mon marqueur bleu, diminution. Puis je réalise un k 2 tog tricoté deux ensemble. J'enchaîne sur un K10, tricoté 10 en endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Je tricote un KfB donc je tricote en endroit par le brin avant et par le brin arrière. Puis je réalise ici donc ma dernière et cinquième répétition en tout. Donc je glisse mon marqueur, je tricote un KfB, je tricote par le brin avant, puis par le brin arrière. Je tricote un K10, donc tricoté en endroit 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis je tricote un K2Tog BL, tricoté deux ensemble par le brin arrière. Je glisse mon marqueur de diminution. Je tricote. Un cas de tog donc deux ensemble, puis K10 en endroit pour 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne dois pas être à 10 du coup. Ensuite, je réalise mon KFB, tricoter le brin avant et le brin arrière. Et donc là, j'arrive à mon dernier marqueur que je glisse. Et on me demande de glisser ma maille avec mon brin de laine devant les aiguilles. Donc je passe mon brin devant et je glisse ma maille. Là, on vient de réaliser le rang 1 de notre motif. Donc là, on arrête tous les rangs 1. On va commencer maintenant le rang 2, qui est beaucoup plus simple que celui-ci. Pour le rang 2, on nous demande de tricoter jusqu'à la dernière maille en glissant tous les marqueurs quand on les rencontre, jusqu'à la dernière maille, la dernière maille qu'on va glisser avec la laine devant. Donc, pour réaliser le rang 2, je vais le réaliser en entier avec vous, bien qu'il soit répétitif. On va tricoter que du point endroit en glissant tous les marqueurs. Donc, c'est parti pour le rang 2 de la répétition du motif en endroit. Je glisse mon marqueur et je continue de tricoter en point endroit jusqu'à mon prochain marqueur. Quand j'arrive au prochain marqueur, de la même façon, je le glisse, je le passe de l'aiguille de gauche à l'aiguille de droite, puis je continue en endroit. Et donc, on glisse le marqueur quand on le rencontre, on continue à tricoter. En point droit sur tout le rang. On passe sur une version un peu plus accélérée pour se retrouver à la fin du rang. Alors je m'arrête ici avant la dernière maille, je viens glisser mon marqueur, je passe mon brin de laine devant mes aiguilles, puis je glisse ma dernière maille. Et donc là on vient de terminer le second rang du patron. On nous demande bien de tricoter en alternant en fait ces deux rangs jusqu'à la fin de la couverture. Donc sur le patron de Mina Philippe, quand on prend son patron, elle, elle a changé de couleur après 18 répétitions de ses rangs 1 et 2. Donc personnellement, quand je tricote, je ne compte pas forcément euh, le nombre de, de traits. Je suis plutôt euh, attirée par le fait que je ne compte pas et que je mesure. Donc je vais tricoter jusqu'à ce que j'arrive à peu près entre 10 et 15 cm selon le choix que vous voulez faire pour la taille de votre couverture. Globalement, l'objectif, c'est de tricoter toute notre couleur A, donc notre coloris bourdon. C'est parti pour la répétition de ces deux rangs jusqu'à la fin de notre coloris bourdon. Alors je viens de mesurer donc mon début de couverture, je suis bien à 15 cm. Donc quand on mesure, on prend bien la partie avec la pointe et on vient de mesurer jusqu'à notre câble. Donc moi je suis ici, si on le prend bien droit, à 15 cm. Et donc comme dans le patron, enfin à peu près en tout cas, j'ai réalisé ici, euh, j'ai réalisé 19 euh, rangs 1 et 2. Elle, dans son patron, elle suggérait 18, donc vous pouvez en faire 18. Moi, c'était vraiment... Je me suis basée sur les centimètres. Donc, j'ai terminé avec mon coloris girafe. On peut le couper, donc euh, on va mesurer environ une vingtaine de centimètres pour pouvoir rentrer les fils correctement par la suite. On a terminé avec le coloris. Donc, moi, j'ai encore un petit reste. Tout dépend de la tension du fil que vous utilisez. Vous pouvez en avoir plus ou moins. Et donc, on va enchaîner avec le second coloris qui est le, ce, le coloris caméléon. Donc, c'est celui-ci. Donc, il est bleu, très foncé et beaucoup euh, de nuances dans son dégradé de couleur. Alors, ce qui est important à faire. Donc, c'est d'arrêter le coloris en cours sur un rang numéro 2, donc sur un rang où on tricote tout en endroit. Comme ça, à chaque changement de couleur, on aura un petit trait qui va se former toujours sur l'envers de notre couverture. Donc, on prend notre nouveau coloris, on tire le fil de l'intérieur, en tout cas si c'est ce que vous faites habituellement, vous pouvez aussi le prendre par l'extérieur si vous trouvez ça plus pratique. Et on repart pour tricoter un rang 1. Donc on laisse un petit peu de fil. Alors, si comme moi, euh, vous avez euh, pas la hantise, mais euh, disons que vous n'aimez pas beaucoup rentrer vos fils, c'est pas perfectionniste. Attention, mais moi j'aime bien le faire. C'est euh, que je réalise une petite boucle comme ça avec mon fil de laine et je viens le passer. Donc ça, ça me tricote ma première maille. Je passe mon marqueur, c'est un rang 1, donc je dois commencer par une augmentation. Et là maintenant, je vais utiliser toujours les deux brins. Vous voyez, il y a le brin du début que je tricote avec la nouvelle laine. Je le garde comme ça et je continue à tricoter comme si de rien n'était. Donc là, je commence par mon augmentation. Puis je tricote 10. Enfin, globalement, je respecte le patron. Et vous voyez, quand, euh, quand c'est trop court, ça lâche tout seul. Et donc, on s'en occupera à la fin. Voilà, donc je tricote 10. Et arrivé sur le marqueur bleu, je viens réaliser mon cas de Tog BL, donc tricoter 2 par le bas par le brin arrière. Je passe mon marqueur, je tricote deux ensemble. Et en fait, on vient répéter ça encore une fois jusqu'à la fin. Donc on est sur notre rang 1. Donc je tricote 10. J'arrive sur mon marqueur vert donc je viens faire mon augmentation en tricotant ma maille par le brin avant et le brin arrière je passe mon marqueur et je recommence je tricote ma maille par le brin avant et par le brin arrière donc j'ai fait mon augmentation je recommence à tricoter 10 donc j'ai fait mes 10 je tricote 2 par le brin arrière je passe mon marqueur. Je tricote deux ensemble. Puis je tricote 10. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang où je vais pouvoir vous montrer ce que donne l'envers. Alors, du coup, je viens de terminer mon rang 1 avec mon second coloris et je vous montre un petit peu ce que ça donne sur l'envers de notre tricot. Donc, c'est du point mousse, donc on voit apparaître ici les petites vagues du nouveau coloris, ce qu'on ne voit pas sur l'endroit. Vous voyez C'est pour ça que c'est très important de toujours terminer sur un rang 2 euh, pour euh, pouvoir changer de couleur par la suite. Donc là je continue le patron euh, tout à fait normalement, je continue sur mon rang numéro 2 que je fais en tricoté en droit et on continue comme ça jusqu'à obtenir 15 cm de, euh, du coloris B, donc de notre coloris caméléon, ou euh, 18 répétitions si vous préférez compter en répétitions. Donc on se retrouve euh, un petit peu plus loin hein, au prochain changement de couleur. voilà donc au oh, prochain changement de couleur, puisque quand je le prends sur l'endroit, je peux compter en tout donc, 18 vaguelettes. Donc 15 cm, un petit peu moins parce qu'il n'est pas bloqué, pour faut être honnête, ça fait plutôt 14 cm,5. Et on compte ici, parce que dans le patron, il nous demande 18 répétitions on trouve ici 18 petites vagues du point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, 18. Donc, bah, globalement, maintenant en fait ça se répète tout simplement. J'ai fini sur un rang 2 où c'était que de l'endroit. Donc, comme tout à l'heure, on laisse une bonne longueur de fil. Vient, les ciseaux me tombent des mains. Qu'on vient couper tout simplement. Le coloris caméléon qu'on n'a plus besoin. Donc, on a un tout petit peu de rabe et on peut venir commencer notre coloris suivant et donc euh, bah maintenant ce que je vous propose c'est de vous laisser avancer à votre allure et euh, bah, je vais faire de même de mon côté voilà voilà donc j'enchaîne sur le coloris girafe maintenant partie pour la quatrième couleur puisque j'ai fini les 18 répétitions, les 15 cm du coloris girafe. Donc comme pour les trois couleurs précédentes, je m'arrête après un rang 2. Je laisse un peu de fil pour pouvoir le rentrer à la couture. Et on passe à notre quatrième couleur. Tadam, donc ici j'ai terminé mon dernier et cinquième colo. Et donc maintenant on passe à euh, l'avant-dernière partie du patron qui est Finishing and Bind Off, donc finir et rabattre. Et ici elle nous dit globalement d'utiliser la méthode de rabattage qu'on souhaite du moment qu'elle est plutôt euh, stretch, donc euh, souple. Mais elle nous en propose une ici et donc c'est celle-là qu'on va utiliser. Voilà. Donc surtout, on ne vient pas couper la laine qui nous reste. Ici, là, on en a besoin pour rabattre nos mailles. Hein. Depuis tout à l'heure, à chaque fois, on coupait. Cette fois-ci, on garde bien. Alors, cette méthode de rabattage souple est la suivante. Donc dans un premier temps, euh, il faut savoir qu'on va abandonner tous nos marqueurs. On n'en a plus besoin, c'est la fin en plus. On tricote d'abord la première maille en endroit. Donc j'enlève mon marqueur dont je n'ai plus besoin. Et maintenant c'est euh, la technique. C'est à partir de là qu'on va répéter le mouvement. Donc on tricote un. On remet nos deux mailles sur l'aiguille de gauche. Et on tricote ensemble. Voilà. Et donc à chaque fois on va répéter ça maintenant. Je tricote un, je viens les mettre sur l'aiguille de gauche et je tricote deux ensemble, attention par le brin arrière. Voilà, donc on fait attention quand même que ce ne soit pas trop serré du côté où c'est déjà rabattu, on continue, on tricote un, on remet les deux sur l'aiguille de gauche, puis on tricote deux ensemble. Quand on est à l'aise, on va se rendre compte qu'on n'a pas vraiment besoin de les balancer tous les deux sur l'aiguille de gauche. Puisque si je tricote un normalement, je viens planter mon aiguille de gauche dans mes deux mailles. Vous voyez ici. Je les ai plantées dans les deux et ben mon aiguille de droite elle est plantée dans le brin arrière des deux mailles. Donc je peux la tricoter normalement. Attention, on recommence. Donc je tricote ma prochaine maille en droit. Je prends mon aiguille de gauche que je viens planter dans mes deux mailles et là en fait je suis déjà en bonne position pour tricoter mes deux mailles. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Je tricote, je plante mon aiguille de gauche dans mes deux mailles, je ne lâche pas, je tricote. Vous voyez c'est ici que je fais attention, je tire toujours un petit peu dessus pour que ça reste souple. Je recommence, une endroit, aiguille de gauche plantée dans mes deux mailles. Je ne lâche pas, je tricote. Voilà, je recommence. Je vais en faire quelques-uns comme ça pour que vous visualisiez bien le mouvement. Voilà, je tricote. Je plante mon aiguille de gauche. Dans les deux mailles et je tricote. Une endroit, aiguille de gauche dans les deux mailles, je tricote et je tire un petit peu sur ce qui a déjà été rabattu. On recommence. Peut-être qu'en me rapprochant, on voit encore plus clair. Vous voyez, je tricote. Une maille je viens planter mon aiguille de gauche dans les deux mailles et je tricote en endroit je tricote une maille je viens planter mon aiguille de gauche dans les deux mailles je ne lâche rien je tricote les deux en endroit et ainsi de suite une maille on pique dans les deux on tricote les deux ensemble. Une maille. Je pique dans les deux. Je tricote les deux ensemble. Quand on rencontre les marqueurs, on les enlève, on les range, on n'en a plus besoin. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il nous reste plus qu'une seule maille sur nos aiguilles. Voilà. Donc vous voyez, ça fait vraiment un rendu bien propre. Hein. Donc ce que je vous propose c'est de vous retrouver à la fin quand il nous reste plus qu'une maille sur nos aiguilles. Alors, là, je viens de terminer de rabattre toutes mes mailles. Donc, on voit déjà euh, la formation des petites vagues. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que c'est suffisamment élastique. Et donc, il me reste une seule maille sur mes aiguilles. Comme pour tout changement de couleur, bah là, c'est la fin, mais j'ai coupé et j'ai laissé de la longueur quand même pour pouvoir coudre correctement. Et on va faire un nœud. Donc, on tire pour agrandir la boucle formée par notre dernière maille. On va essayer de faire voilà, une image plutôt nette. Et, oups, et on va passer le fil dans la boucle, ce qui va créer un nœud. Voilà. Donc maintenant, euh, elle nous propose donc de le bloquer puis de rentrer les fils. Je suis une impatiente. En général, je préfère rentrer les fils avant le blocage, tout simplement pour pouvoir l'utiliser dès qu'il est sec. Donc j'utilise une aiguille avec, je pense que ça s'appelle un chat, avec un trou suffisamment euh, grand, vous savez, pour pouvoir euh, y enfiler de la laine, puisqu'on est en laine des cas, donc on ne peut pas utiliser n'importe quelle euh, aiguille. Donc voilà mon aiguille à laine, et on va venir rentrer le fil, les fils, l'ensemble des fils, dans le tricot. Donc, j'enfile mon fil de laine dans le chat. Dites-moi, si je me trompe, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner le bon nom de vocabulaire pour ça, pour ce petit emplacement-là dans l'aiguille. Et on va venir faire des petites vaguelettes sur l'extrémité ici du tricot pour que ce soit invisible. Donc, je vais rentrer pas dans le rang de rabattage, mais juste en dessous. Et je vais faire des allers-retours dans chaque petite... Vaguette. Vous voyez, je vais rester sur une ligne et je rentre comme ça dans les petites vaguelettes formées par le point mousse. Alors personnellement, je le fais sur 2 cm en général. Deux voire trois, ce qui permet, si jamais un jour, je sais pas, vous voulez récupérer la laine ou quoi, vous savez par quel bout il a été terminé, et le détricoter facilement. Et aussi, comme on rentre le fil et qu'on le coupe pas à ras, il va pas se détricoter au lavage, normalement. Voilà. C'est pour ça qu'on laisse un fil suffisamment long pour ne pas que le fil, en fait, il, il défasse le nœud et hop, il s'en aille. Donc voilà. J'ai fait un peu et donc maintenant que j'ai rentré du fil dedans, je peux venir couper à ras, sans couper mon tricot bien sûr. Donc on va faire ça pour toutes les couleurs. Donc mon fil de rabattage était sur cette extrémité, tous mes autres fils sont de l'autre côté. Voilà. Donc je pense que je n'ai pas forcément besoin de vous le dire, mais si vous avez fait la même technique que moi, vous avez déjà rentré un fil sur deux pratiquement. Donc vous pouvez directement venir couper les petits bouts correspondants qui sont déjà rentrés jusqu'à bien 2 cm. Et on va rentrer donc les fils. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ici, j'avais tricoté mon fil bleu ensemble sur plusieurs mailles. Et bien, je peux juste venir déjà et le couper puisqu'il est déjà rentré sur cette distance-là. Donc, on vient tout simplement rentrer les fils qu'il faut dans l'aiguille, et on recommence le même schéma que pour le rendre abattage, sauf qu'ici, c'est en diagonale, vous voyez. On vient rentrer et sortir de chaque petite vaguelette du même rang. Sur au moins 2 cm. Et donc, une fois que ça c'est fait, on vient couper. Sans couper dans notre tricot, bien sûr. Et on continue comme ça pour tous les fils. la couverture, elle est donc ici terminée. et pour euh, avoir les bonnes dimensions et pour pouvoir l'utiliser, donc, avec bébé, forcément, on va passer au blocage qui est aussi le lavage. alors, d'abord, on va parler de la façon de bloquer qui est préconisée par euh, mina philippe, la designer. blocking, donc, bloquer. elle nous suggère de la bloquer dans de l'eau tiède avec de la lessive à laine, puis ensuite une fois que c'est lavé, de la rouler dans une serviette pour enlever tout l'excès d'eau sans la tordre, donc sans déformer euh, notre, euh, notre couverture, et de la faire sécher à plat. Elle nous dit que si on utilise donc du coton, de l'acrylique ou de la laine super wash, on serait forcément euh, attiré par la laver à la machine à laver. Oui. Dans ce cas-là, il faut tout de même faire l'effort de le sécher à plat pour pas avoir une, une couverture tout étirée. Donc on va la sécher à plat dans tous les cas. Moi, avec mes, mes ouvrages de laine, je préfère jamais prendre de risques, étant donné qu'au premier lavage, en général, les couleurs dégorgent un peu, selon les, les couleurs plus ou moins. Et donc je le fais à la main, à l'eau tiède plutôt euh, tempérée, je dirais même, avec une petite euh, lingette décolorante qui attire euh, les couleurs. Je suis pas fan de ce genre de choses parce que c'est pas ultra bon pour l'environnement, ça fait du plus. Maintenant là, on a du jaune dans notre couverture, donc j'ai vraiment envie d'éviter que le jaune il aille directement sur notre coloricoala qui est très très clair et j'aimerais garder le contraste de la couverture. Donc c'est parti, on se retrouve près du lavabo. Voilà, on se retrouve ici euh, au lavabo, on met de l'eau tiède, notre petite serviette pour éviter que les couleurs se décolorent l'une sur l'autre. Alors moi je mets de la lessive l'année soir, on n'en a pas besoin de beaucoup puisqu'il n'y a qu'une seule couverture. Hein. et je ne mets pas d'assouplissant. Pas trop chaud pour pas que ça dégorge, les couleurs au plus c'est chaud, au plus ça dégorge. Et donc j'ai pas non plus besoin de remplir en entier mon lavabo, c'est parti. Donc, vous voyez, on voit déjà un petit peu de jaune ici qui décolore, donc je vais pas la laisser très longtemps. Voilà. D'où ma petite lingette. C'est complètement suffisant pour moi. On voit déjà bien que le jaune a un peu dégorgé. Donc je viens enlever l'eau utilisée. Maintenant je mets de l'eau très froide et je vais venir le rincer à l'eau froide. Donc, voilà. Je rebouche et je remets de l'eau froide. J'ai toujours ma petite lingette. Hein. Vous voyez, elle a déjà pris la couleur jaune. sors un petit peu en boule pour enlever tout l'excès d'eau que je peux enlever par moi-même. Je peux revenir ouvrir mon évier. Ma petite lingette, j'en ai plus besoin. Vous voyez Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, si un peu. Elle a vraiment jauni. Hein. C'est pour ça que je préfère l'utiliser. Comme on a utilisé des couleurs très contrastantes. Voilà. Et donc maintenant on vient la mettre dans une serviette éponge. Hop hop, on la roule. On serre comme on peut et je vais vous dire, moi ma petite astuce, c'est que pour appuyer le plus fort possible, je le fais avec tout mon poids, je viens marcher dessus. Tout simplement, donc là j'ai terminé d'essorer ma serviette, euh, ma serviette, ma couverture grâce à ma serviette. Elle est là, ma couverture. J'ai besoin d'une nouvelle serviette puisque la mienne est vraiment imbibée d'eau. Je viens l'étendre, donc moi je viens bloquer mes tricots euh, sur la table. Donc je l'étends, je prends ma couverture et je vais la mettre en forme directement comme ça. Donc là on n'a pas besoin d'épingles ou quoi que ce soit. Elle nous conseille tout simplement de la sécher à plat aux bonnes dimensions. Donc globalement étant donné que c'est une couverture... Qu'elles soient un peu plus grandes ou un petit peu plus petites, je vais vous dire que moi, ça ne m'importe pas grand-chose. Donc, à un centimètre près, je ne viens pas mesurer. Vous pouvez tout à fait venir mesurer pour être sûr d'avoir la dimension souhaitée. Voilà. En fait, le risque, si vous choisissez de la faire sécher, directement en la mettant sur un fil, c'est qu'elle va venir se détendre à cause de son poids. Donc, elle sera un endroit plus large où euh, tout est tiré sur le bout et pas sur le reste. Donc, voilà notre petite beauté. Eh ben, J'avais pas remarqué, mais en fait c'est la taille d'une petite serviette éponge. Je vais venir décrocher le téléphone pour vous montrer un petit peu ça. Voilà un petit peu mon blocage. Donc maintenant je viendrai retirer ma couverture de la table quand elle sera sèche. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce tutoriel pour faire la chevron garter blanquette de Mina Philippe avec l'hélène de chez Mélanie, donc de teinture à Et n'hésitez euh, surtout pas à mettre un pouce en l'air et à laisser un commentaire pour euh, tout simplement parler de votre projet. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut